j'espère qu'ils sont là. Tiens. Oh oui, André. André. Mais c'est quoi, de quoi il parle, lui? Tu t'appelles André? Ben non, moi je m'appelle Jack. De quoi voulez-vous dire? Non. Entrez. Ah, sa langue a fourché. Ah, viens, Jack, c'est ça. C'est parti? Oui. Oh, il travaille. C'est un homme ou une femme? Je crois que c'est une femme. Ah, bonjour! C'est bon, Jack? C'est prêt? Oui, ça tourne. Ok. J'espère qu'on voit pas mon visage. Est-ce qu'on voit son visage? Non. Ok, parfait. C'est bon. Alors, je nous présente. Je suis Julien. Enchanté. Julien, voilà. Et voici... Moi, c'est Jack. Jack, c'est ça. Enchanté, Jack. Et vous êtes de quel secteur? Nous sommes des... Engagé de votre gueule, on se fout, en fait. De votre gueule, on se fout, c'est ça. Jack? Ah bon, ben moi, je me nomme, je suis Paul. Ah, enchanté, Paul. Simplement Paul. Voilà, j'ai lu votre dossier, à ce qui paraît, vous êtes fait voler la semaine dernière, c'est ça? Ah oui, c'était assez difficile pour moi d'en parler. Le coup m'a terrorisé, je sais pas trop comment m'expliquer, je sais pas si ça vous dérange. Ça tourne? Ouais. En fait, Paul, c'est quand même la raison pour laquelle nous sommes venus ici, donc oui, ça nous dérange, bien, donc... Serait-ce possible que vous nous l'expliquiez quand même? Eh bien... On a bien réfléchi, c'est d'accord. Et... Quand je suis arrivé à mon domicile la semaine dernière, il y a exactement... aux alentours de ces heures-là... J'ai remarqué qu'on m'avait cambriolé. Cambriolé, vous dites? Oui. Changement de scène, Jack. Mais pourquoi on a changé de scène, là? C'est quoi, ça? Bon, c'est pour... C'est mieux. Ah ouais, ben bon, que dis-je? Julien? Ouais, Jack? Ta tête aussi est coupée. On me voit pas? Ah ben... Et vous voulez pas qu'on vous voit non plus? Bah ben non. Et vous avez pas le choix, vous devez mettre ça. Ah bon, on enfile ça, et puis... On reprend, Jack, on reprend. Oui, que disiez-vous? Eh bien, c'est cela, je disais que... J'étais rentré à mon domicile et que j'avais découvert qu'on y avait sauvagement enlevé tous mes effets personnels, y compris ma belle boîte de mouchoir. Vous comprenez? Ma boîte de mouchoir. Oui, je comprends. Votre boîte de mouchoir. Exactement. Oui, mais... Monsieur, ce n'est qu'une boîte de mouchoir. Ce n'était pas n'importe laquelle. Je l'adorais, cette boîte de mouchoir. Chaque mouchoir était un plaisir à se moucher. J'avais le nez si doux et si propre après. Oui, je vais prendre l'intensité, Jack. Changement de scène. Mais ouais. Bref, racontez-nous toute l'histoire depuis le début. Bon, eh bien... Eh bien voilà. Tout a commencé lorsque je suis arrivé chez moi et découvert un immense bordel régnant dans mon domaine. Et c'est ça. C'était le putain de bordel qui m'avait mis dans tous mes états. Je n'en pouvais plus, j'étais en dépression. Si vous pouvez savoir le nombre de merdes que je devais gérer, c'était pitoyable. Oh là là. Et ce n'était pas un bordel comme les autres. Le dernier mouchoir de la dernière boîte n'était plus là. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Nada. J'ai encore du mal à m'en remettre aujourd'hui. Je ne sais même plus quoi faire. Mais vous devez comprendre. Vous devez me comprendre. Moi qui est si vieux aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Ensuite, j'ai fouillé toute ma maison de fond en comble pour au moins y trouver des traces de vie dans mon mouchoir. J'ai fini par le retrouver, mais en plusieurs morceaux. La scène était horrible. Il était déchiré, vif à travers ma maison. C'est alors que je vis un bout du mouchoir dans la gueule de mon chat. Et puis les chats. Ah oui, les chats. Ah, les chats. Les chats. Putain, qui m'ont causé des problèmes. Depuis ce jour, exactement. Les méchants malades. C'est la faute de mon chat. Mais non, c'est la faute de tous les chats. Exactement, y compris leur propriétaire. Vous comprenez? Shit.
j'en ai plein le cul. Ils doivent toutes le payer. Même ceux qui m'ont rien fait. Je vais les exterminer un par un, y compris les propriétaires. Pourquoi? Je vais leur arracher les yeux. Attends, Julien. Pourtant, il faut finir notre interview. Malade? Il veut tuer tous les propriétaires des chats. J'ai un chat, je veux pas mourir. Mais je m'en fous, moi, j'ai un chien. Écoute, là, c'est pas mal, c'est malade. Il leur montrer c'est qui le chien. Oui. Jack, rouille ton cul. Qu'est-ce que c'est ça? T'as entendu ça? Oui, faut pogner le char. Il est où le char? Je sais pas. Allez, Jack, viens! Julien! Jack! Julien! Jack, mais t'es juste là! Jack, passe-moi la caméra! Ah.